Le loup de Wall Street, personnage inspirant ou plutôt indignant. On va voir ça aujourd'hui. Je suis quasiment certain que tu as vu ce film. En tout cas, si c'est pas le cas, va le voir et retourne regarder cette vidéo parce que de toute façon, je vais spoiler des choses. Donc, autant que tu le découvres de toi-même parfaitement, c'est un super bon film. Surtout si tu t'intéresses au marché financier, au fait de devenir riche, etc. Ça va vraiment, je pense, te plaire. Euh, et donc, c'est un film iconique pour toutes les personnes dans ce milieu-là qui veulent s'enrichir, qui veulent investir, créer une entreprise, entreprendre, etc. Donc je trouvais ça... Pertinent d'aller euh, se poser la question si, au final, c'est un film qui est représenté dans beaucoup de créateurs de contenu qui font des analyses dessus, qui le mettent en images sur Instagram euh, pour faire des citations ou je sais pas quoi, euh, ou qui euh, donnent les six conseils de Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street, pour vendre, etc. etc. on le voit beaucoup, euh, comme si c'était une sorte de figure euh, tu vois de, de rôle modèle, voire de héros. Alors qu'au final, il y a aussi énormément de points négatifs clairement dans le personnage euh, qui sont pas inspirants du tout. Donc je trouvais ça intéressant d'en discuter un petit peu tranquillement. Voilà, est-ce que c'est un personnage qui est inspirant ou méprisable Je vais te donner juste mon avis sur le sujet parce que bah, il se trouve que j'ai revu le film euh, il y a deux jours là, vu que peut-être tu l'entends. Je suis malade. J'étais encore plus malade il y a quelques jours. J'ai pas pu travailler. J'avais du coup beaucoup de temps euh, sans trop savoir quoi faire. Donc je me suis refait des films euh, qui me plaisent. Et je me suis refait le loup de Wall Street. Mais vraiment, je ne l'ai pas regardé du, du coin de l'œil. Hein, je l'ai vraiment revu en étant concentré, en mettant pause parfois pour réfléchir un petit peu, etc. poser quelques questions. Euh, J'ai passé un bon moment. Et je vais t'en parler donc euh, aujourd'hui. Alors, on va commencer par les points euh, positifs. Voilà, Quels sont ces points positifs En quoi il pourrait être inspirant En quoi il, il est Pourquoi on le voit partout en mode à la limite, c'est un rôle modèle pour certains Parce que déjà. Il est extrêmement compétent en vente, en persuasion plutôt, euh, en, en éloquence. Il parle très bien, il s'exprime euh, parfaitement avec euh, la bonne intonation, euh, la, la, le bon vocabulaire, la bonne voix, la bonne énergie, etc. Donc, ce qui fait qu'il est très convaincant. Il arrive à vendre euh, quasiment n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. C'est pour ça qu'il arrive à être aussi bon en tant que courtier. Et ça, c'est vrai que c'est un point euh, inspirant. Si... T'avais la même euh, éloquence, la même persuasion, tu pourrais déjà, euh, je pense, te faire pas mal d'argent en vendant quasiment n'importe quoi. C'est une compétence qui est extrêmement rentable de savoir persuader. Euh, le mec, il appelle des inconnus au téléphone, il leur refourgue des actions euh, pourries à 10 000 euh, et plus dollars à chaque fois, plus ou moins. Donc, euh, c'est sûr que. D'un point de vue moral, on y reviendra après, ça n'a rien de, de bien. Mais en tout cas, arriver à convaincre quelqu'un comme ça, c'est plutôt impressionnant. Donc voilà, son gros point positif, je dirais que c'est son éloquence. Ensuite, euh, bah, c'est quelqu'un qui va aussi avoir le côté entrepreneur, parce qu'il pourrait se contenter d'être un courtier salarié, de se faire pas mal d'argent, tu vois, de se faire... Euh, même quand les salariés salarié, il se fait avec des commissions, du coup, qui sont énormes puisque c'est illégal. Euh, il se fait à euh, moins moment 70 000 dollars, il dit 72 000. Donc il aurait pu rester comme ça et être parfaitement millionnaire rapidement, tranquillou et vivre une très belle vie, mais il a voulu aller plus loin, créer sa propre affaire pour gagner encore plus. Donc c'est un côté ambitieux. Bon, c'est assez sombre parce que pas, ça n'apporte pas de valeur, c'est illégal, euh, c'est de l'arnaque. Mais en tout cas, bon, il y a quand même ce côté ambition où il crée euh, en plus une boîte, il embauche énormément, etc. Il a une, une grosse énergie aussi hein, euh, au, au cours du film. <laughs> bon, certaines choses l'expliquent. Mais ouais, je dirais qu'il a une bonne capacité à s'exprimer, à vendre, aussi à fédérer, il est ambitieux, il monte sa boîte, etc. Il transmet ses, ses compétences à ses, ses vieux potes du son quartier, du Queens, et après à, à d'autres personnes qui bossent pour lui. Et euh, ensuite, c'est une personne qui a quand même ouais, une grosse énergie, ça se voit qu'il a travaillé dur pour avoir ses compétences, ça se voit que c'est quelqu'un quand même qui travaille dur, qui est motivé, qui a un bon mindset à ce niveau. Donc voilà, ouais, je dirais que c'est trois points positifs qui effectivement sont sont inspirants et puis après clairement euh, le l'autre raison du pourquoi il est autant vu partout c'est juste aussi le l'aspect extérieur du personnage hein. c'est le, Leonardo DiCaprio c'est quand même un mec qui voilà, qui est beau <laughs> j dire quoi euh, qui est beau gosse qui a du charisme euh, évidemment il a la, la gueule qu'il faut la voix qu'il faut avec le doubleur en voix française etc pour ceux qui l'ont vu en français. Euh, il est toujours extrêmement bien habillé, avec tout le reste, hein, tout son matériel qui va, sa Ferrari, sa super maison, euh, sa super femme, etc. Donc tout ça aussi, euh, clairement, ça joue énormément. T'aurais mis le mec, euh, petit, gros, moche, avec une voix désagréable. Euh, ouais, déjà, je pense que tu aurais eu moins de photos de lui sur Instagram et tout. Mais bref. Donc ça, c'est les points qui font qu'il est euh, inspirant. Selon pas mal de personnes. Maintenant, passons aux points euh, négatifs qui sont plus méprisables, qui sont plus indignants. Je dirais que premièrement, c'est son hygiène de vie. Euh, le mec, il a beau être riche, il pourrait. Enfin, euh, il mène la belle vie, machin. Et il va tout pourrir à se détruire à la santé. Il boit à outrance, il se drogue surtout à outrance. Tu vois dans le film, hein, c'est pas caché. Euh, il te prend euh, 4, 5, 6 types de drogues différentes. Euh, plusieurs fois par jour etc le matin le midi le soir euh, cocaïne euh, mandrax je sais pas quoi morphine enfin je sais plus exactement les noms des drogues différentes mais voilà c'est n'importe quoi c'est une pharmacie le truc donc il continue comme ça je pense à 40 ans il euh, y a pas mal de chances qu'il soit, qu soit mort hein. euh donc euh, voilà, fin, son, il a pas l'air non plus de faire beaucoup de, de sport, de, de bien dormir. Hein. Il rentre chez lui, il a eu deux heures du mode tous les soirs, enfin bref. Voilà, hygiène de vie, vraiment, c'est pas ça. Euh, donc c'est pas un point espérant du tout. Hein. Euh, ok, à court terme, vu qu'il prend de la drogue, il a énergique donc ça a l'air d'aller. Mais si tu crèves dans dix ans, c'est un peu dommage d'être devenu multimillionnaire pour pas profiter de ton argent plus de dix ans, quoi. Mais bref, allez hop. Deuxième point, euh, bah, c'est évidemment sa morale. J'aurais même peut-être plutôt dû le mettre en premier. Euh, le mec, il a une morale qui est euh, quasiment à zéro. Il en a rien à foutre d'arnaquer euh, des gens. Il ne s'est pas arnaqué, voilà, il vole 10 euros ou quoi. Non, c'est. Euh, J'ai pas trop compris comment c'était possible, mais il fait du courtage. Ou en gros, euh, bah, comme ton courtier en ligne, tu vois, sauf que là, c'est une personne, c'est dans les années 80-90. Et il prend 50% de, de commission. Ah, je sais pas comment les mecs peuvent pas le voir, mais bon bref, euh, tu prends 1%, on va pas t'en vouloir, mais tu prends 50%, euh, c'est quoi cette arnaque tu vois Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu achetais une voiture euh, à 10 000 euros et le vendeur, il prend 5 000 euros alors que ta voiture, elle vaut 5 000. C'est n'importe quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est illégal, c'est de l'arnaque. En plus, il fait exprès d'acheter euh, des trucs, euh, parfois ensuite, ensuite qui a fait remonter pour lui se faire du fric. Enfin, il, il manipule aussi les cours de la bourse. C'est pour ça ensuite qu'il aura des problèmes avec la justice. Et puis en plus, euh, il trompe sa femme comme si de rien n'était il en a absolument rien à foutre que ce soit la première ou la deuxième euh, ouais, il trompe comme bonjour et pas de souci c'est normal quoi tous les jours euh... donc voilà il a une morale qui est quasiment inexistante euh, ça c'est pas du tout inspirant non plus hein. euh, arnaquer les gens de euh, toute façon euh, <laughs> bon, on voit bien comment il finit euh, ok ça peut faire beaucoup d'argent à court terme hein, ça c'est sûr hein. mais si derrière tu Vas en prison euh, où ton business s'effondre ou tu as des problèmes juste personnels, tu pas à dormir le soir parce que tu es un, un bâtard, euh, bah, c'est pas inspirant du tout euh, pour ce côté moral. Et troisième point euh, que je lui reprocherais, euh, bah, c'est qu'il est quand même extrêmement matérialiste. Je veux dire, ok, il gagne plein d'argent à un moment, il se fait 49 millions en, en une année seulement et tout, c'est abusé. Il va pas non plus se priver, manger des pâtes, tu vois, c'est logique, mais de là à acheter. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais ils disent dans le film, la propriété la plus chère du monde, euh, avec, euh, tu sais, t'as une quinzaine de, de, de personnel juste pour le, le paysage et tout, euh, la cuisine, le truc, le ménage, a acheter euh, un yacht de 50 mètres, je sais pas combien ça doit coûter, mais ça a coûté sacrément cher, avec qu'il aurait pu juste mettre... Euh, un petit peu de côté, tu vois, je sais pas, seulement 10-20%, ça aurait, ça aurait pas changé grand-chose à sa vie, et ça l'aurait peut-être un peu plus sorti de la merde, quand Il a eu des problèmes par la suite, euh, enfin, où il aurait pu même investir son argent pour la faire fructifier ou quoi, mais le mec, il claque littéralement tout son fric, il a beau gagner euh, 4 ou 5 millions par mois, le gars, euh, il, te, il te les dépense quoi, en, en, en prostitué, hein, forcément c'est très présent dans le film. Yacht, maison, euh, voiture de sport, euh, bouffe, euh, alcool, drogue, enfin, mec, qui claque sa thune, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, ça, c'est un point négatif. Après, tu me diras, quand tu gagnes autant, c'est bien différent. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui commencerait à devenir riche euh, sans des proportions aussi démesurées, tu vois, moi, je me prends comme exemple où je commence à. Enfin, je commence, ça fait un moment, ça fait plusieurs années, mais c'est pas non plus. Ça fait pas 15 ans non plus, où je commence et j'ai commencé à gagner. Euh, pas mal plus que la moyenne des gens, tu vas monter à 5000, à 10, presque 10 000 euros par mois, etc. Euh, bah, si tu claques ton fric en mode, allez, je te gagne 10 000, bah, je dépense 10 000. Bah, en fait, c'est super, tu vas avoir un tu remontres très cool, mais il n'y a rien qui va euh, augmenter au fil du temps, et bah, tu vas pas devenir riche, en fait. Tu peux avoir des hauts revenus, mais pas être riche, hein. si tu dépenses 100% de ton argent, il euh, n'y a rien, quoi. Donc, euh, le jour où ça va moins bien, bah, tu reviens comme tout le monde et basta, quoi. Mais bref, euh, donc. C'est vrai que c'est compliqué puisqu'il y a vraiment ces trois points que j'ai dit qui sont positifs, ces trois points qui sont totalement négatifs. Donc, moi je dirais euh, que bah, c'est ni euh, un mec totalement méprisable parce qu'il a quand même des qualités, mais c'est pas non plus du tout euh, un rôle modèle ou un héros, encore moins. Euh, donc, pour moi, je dirais qu'il est autant inspirant qu'indignant. Donc, je regarde le film, je suis très diverti mais je suis pas euh, je veux pas euh, mettre des citations Instagram avec sa gueule ou je sais pas quoi à me dire oh putain le Wall Street euh, je prends un exemple bah non <laughs> euh, j'ai pas envie d'arnaquer des gens j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mon argent j'ai pas envie d'avoir euh, euh, une, une hygiène de vie euh, exécrable donc voilà enfin je trouvais ça euh, marrant d'en discuter un petit peu euh, parce que bah c'est ouais, quand tu veux devenir riche c'est intéressant et ça ça apporte aussi bah, la leçon dans le film hein, pour terminer que euh, bah, c'est toujours mieux de penser à long terme. À chaque fois, je me faisais la réflexion durant le film. Le mec, à chaque fois, euh, il pense à court terme. Par exemple, à un moment, il peut, il a encore le, le choix, il peut encore, tu vois, arrêter son truc, sortir de son entreprise d'arnaque, se garder plusieurs millions et être bien et finir sa vie, garder sa femme, ses enfants et tout, et pas avoir une vie trop qui part en cacahuète. Mais il pense à court terme, il dit ⁇ Ah oh non c'est bon, ça me rend triste, c'est bon, je ne veux pas partir, je reste là les gars euh, ⁇ Parce que, oui, il est émotif. Euh, S'il était resté logique, il serait parti, il aurait eu extrêmement moins d'emmerde. Euh, pareil avec plein d'autres choses à fois dans le film. Euh, donc euh, Et puis pareil, le fait d'arnaquer, c'était aussi penser à court terme. Parce que tu dis ⁇ Ok j'arnaque, c'est pas bien, machin, je m'en fous, mais je vais faire 10 fois plus, 100 fois plus d'argent. Donc aujourd'hui je gagne plein d'argent, c'est trop bien. Euh, mais tu ne dis pas, bah, peut-être que dans 7 ans, euh, je vais me faire choper, je vais aller en prison, je vais tout perdre, euh, exactement comme c'est arrivé pour le Wall Street. Euh, donc voilà, toujours penser à long terme. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'intéresser, tu peux me donner ton avis sur le film, si tu euh, bah, as des choses à dire dessus, hein, les commentaires sont là pour ça. Et euh, si... Euh, C'est pas encore fait bien sûr, abonne-toi à la liste Email pour avoir plus de mon contenu. C'est le premier lien en description. Clique, tu verras, ça prend 25 secondes pour, pour s'inscrire, même pas. Et euh, tu auras plus de contenu, tout ça gratuitement. Je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao